20 mars 2012, 20 mars 2013. Cela fait un an que le maître du Didiga, Zadi Zaorou, nous a quittés. Ce premier anniversaire n'est pas passé sous silence. Les enfants de l'école Espoir des Mamans lui rendent un hommage à travers une conférence retraçant sa vie, sa vision et son combat pour l'Afrique. Boté Zadi Zaorou est un grand homme de culture. Sa plus grande vision consiste à libérer le peuple africain encore sous l'influence exagérée de la culture occidentale. Le professeur a combattu pour l'instauration des langues africaines dans les programmes scolaires. Il nous a dit de respecter les aînés et l'importance des études. À travers cet hommage, les initiateurs entendent répondre à un désir commun, celui de l'épanouissement des enfants à travers la culture. Juste pour mener les enfants à aimer la lecture d'abord, à faire des recherches, les amener à aimer les œuvres africaines. Plusieurs activités ont marqué la cérémonie, notamment des prestations artistiques et culturelles, des poèmes, des projections des dernières images du professeur et des expositions de ses œuvres.